Abonne-toi et active la cloche. C'est trop bien. Alors, déjà pour vous, pour rien que pour vous faire plaisir, nous allons chanter notre chanson. Voilà, c'est vrai. On a une chanson à nous, d'accord? Ok? 1, 2, 3. Tout le monde répète encore que les hommes préfèrent les blondes, qu'ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde. J'ai l'impression qu'ils confondent. Mais la Joconde, à moins qu'on la tonde, c'est quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour des prunes. On a du caractère, et mais dans nos affaires, c'est du sang chaud qui coule. On la joue pas cool. Attention aux brunes. Les brunes comptent pas pour des prunes. Alors, en fait, Isabelle. Isabelle, ça fait combien d'années qu'on se connaît? 37 ans? Ouais. Ça fait 37 ans, c'est une amie que j'aime à la folie, qui m'a emmenée, qui a toujours partagé tout avec moi. Vraiment toute ma vie, elle connaît ma vie de A à Z. Elle est en même temps sophrologue, psychologue. Psychologue, directrice des soins. Directrice des soins, elle a tenu un soin Covid. Tu peux dire ce que tu penses du... Ah oui, j'ai tenu un centre Covid à Meaux, et depuis le mois de mars 2020. Et donc, j'ai coordonné à la fois toute la prise en charge des patients qui étaient symptomatiques au début de la crise et puis suivi toute la crise jusque novembre-décembre où là, on a préparé les tests PCR, bien sûr, mais on a préparé surtout la vaccination. Et depuis le mois de janvier, il y a la vaccination au sein du centre Colisée de Meaux. Mais moi, j'ai laissé cette activité pour prendre une année sabbatique. Voilà. Voilà. Et en fait, elle va vous parler, mais brièvement. Hein. Non, je ne vois pas ça. Non, elle va parler de ce qu'on a fait. Les courses. Tu veux pas parler du... Non, non, elle veut pas en parler. Mais en fait, moi, du coup, maintenant, j'ai mon avis. Et voilà, merci de pas en parler. Je peux comprendre, hein, parce que ça fait des... C'est trop polémique, le vaccin. C'est trop polémique, ouais. Alors, ça, c'est quoi? Alors, clafoutis aux cerises. Clafoutis aux cerises, j'ai payé 1,80. J'en ai pris 4. Non, t'en as pris 8. Et puis, ben oui, parce que multiplié par 2, ça fait 8. Bravo, madame. Alors... Ça, tu as pris brebis myrtille. Ah, j'adore. C'est de la confiture brebis myrtille. Alors, il faut savoir qu'Isabelle, elle n'achète pas du tout comme j'achète. Isabelle, elle achète, elle fait très attention. Alors ça, c'est une honte. Achète des pâtes coquillettes toutes faites. T'achètes ton paquet, tu ouais, peux mais lire c'est ton pratique. Autre, tu mais oui, je suis seule, madame. Oui. Je suis célibataire. Donc, comme je suis célibataire, ça me fait chier parce que vous savez, d'habitude, on se serre dans les bras, on se fait des câlins. Ouais, on peut même et là, pas on peut pas. On peut pas. Et même puis la moi... peur, mais le masque, mais moi, c'est pas grave. Ouais, moi, je mets le masque. Non, mais du moment on n'est pas à risque. On est en plus toutes les deux O. Oh, moi, je suis O négatif, elle est O positif. Ouais. On n'est pas à risque, on n'a pas de symptômes, on n'a rien, tout va bien. Ouais. Alors, ouais, bon, d'accord, c'est une honte. Alors, faut savoir une chose, c'est que Isabelle, elle s'habille déjà comme je veux maintenant m'habiller. Elle s'habille. Ah, faut que je montre ce que j'ai acheté en fait. À Emmaüs. Elle s'habille elle s'habille tout simplement chez Emmaüs, chez Guérisol. Vraiment, c'est l'exemple à suivre. Elle achète, elle ne gaspille rien que moi, je gaspille encore la nourriture. Donc ça, voyez, elle trouve ça scandaleux. C'est honteux. 1,19€, mais c'est super. Pour des pommes de terre. Il y a bien le riz comme ça, mais là, il y a les pâtes. Des pommes de terre micro-ondables. Hein. Moi, je les épluche, mes patates, je les fais moi-même. Bon, et c'est même les pommes de terre de mon jardin. Voilà. Ah oui, alors, 1€, c'est super, les pommes de terre micro-ondables quand on est seul. Faut savoir aussi une chose, c'est qu'elle va acheter une maison. Parce qu'elle en a déjà une. Hein. Alors, il faut savoir que ma meilleure... Ah, oui, c'est ma meilleure amie, parce que elle fait partie de mes meilleures amies. Hein. J'en ai trois, il faut les compter sur les doigts, j'en ai que trois. Hein. Et, enfin, j'en ai que deux, mais non, j'en ai trois. Il y a Corinne, il y a Nadège et il y a toi. Et franchement, c'est vraiment de l'or en barre. Elle est adorable, elle est mignonne comme tout. Tellement longtemps qu'on se connaît, Sybille, c'est un amour aussi, c'est... Elle fait de la sophrologie. On n'a jamais eu un nuage noir dans le ciel bleu. C'est ouais. Magnifique. Ouais, quand elle n'est pas magnifique. Bien, elle vient à la maison et voilà. Elle est hop. Après, je rigole et je suis super bien. Voilà, ça, j'ai payé 2,49. Ben voilà, comme d'habitude. Ouais. Hein, des brocolis, mais là, ils sont à la vapeur, 3 minutes. Donc, ça est encore plus rapide. Moi, il faut que ce soit rapide. Ensuite, alors, curly, donuts, alors, cacahuètes. Pourquoi? Combien il y a de sel? Alors, 9% de sel, ça va, c'est correct. Ça va, 9%. Donc, voilà, je vais manger ça, j'adore ça. Des frites une fois. Il veut des frites. Les pommes de la terre. Les pommes de la terre, les tuches. 1,49€. Ouais. Et encore ses pâtes.
des pâtes, oui mais des pâtes, allez, 1,19€. Je sais pas ce que c'est que ça, il y a du sang. Ah oh, merde. Non, pas du sang, c'est de la betterave. Ça, ce sont des faux professionnels du travail. Une betterave, puis parce que j'ai acheté de la mâche le poids, 49 centimes. Ah oui, pour mettre la mâche, c'est une bonne idée. Des oranges, 1,59€. Non, 1,49€. Un avocat, 1,60€. L'avocat, c'est bon pour la santé. Ah ben, c'est bon. C'est t'as bon. Pas vu? Ah ben non. Voilà, regardez. Voilà. 1,20€, je m'en fous, j'ai payé 1,20€. Elle valait 1,50€, ils me l'ont fait 1,20€. J'ai pas compris. C'est pour ça. Ce serait t'es abîmé. Ben non, parce que c'est la machine. Je sais pas. Ah ouais. Et je me suis acheté un truc à Emmaüs. On a fini les biches. Ah oui, c'est vrai. Attends, il est où mon sac? C'est ma mémoire, hein. Attendez, c'est ma mémoire. Donc elle est partie chercher son achat à Emmaüs. En attendant, on s'est baladé aussi en pharmacie. Il fait un soleil super. Donc on s'est baladé un petit peu partout. Et ouais. Et donc là, elle va ramener ce qu'elle s'est acheté. Incroyable, parce que ça, ça vient de chez... 1, 2, 3. Ouais. En fait, vous savez ce qui m'est arrivé? Je regarde le truc et il me tombe dans les mains. Bon, après, j'ai dit, bah, attends, en plus, c'est bien, j'aime bien noir et blanc. Ouais. Et quand j'ai vu 1, 2, 3 tout neuf, j'ai dit, mon Dieu, 2€, je l'ai payé. Ouais. C'est beau, de la maille, hein, il est très beau, très belle qualité. Il est beau, hein, franchement, pour 2€. Ouais, super. Voilà, bah, il est dans la machine. Super, super. Et puis donc, ben voilà, on a fini nos courses. On va papoter, on va refaire le monde avec voilà, Isabelle. Voilà, on boira un petit thé, on va papoter. Voilà, on va et faire puis, comme d'habitude, hein, voilà. On papote, on refait le monde. On parle de plein de choses, parce que ça fait un petit moment qu'on et s'est pas vu. Et puis, on disait que je suis en train d'acheter une maison, une propriété en Espagne. Voilà. Et où, évidemment, elle a sa chambre, elle a même ses appartements, parce que tout le rez-de-chaussée, il y a 80 mètres carrés d'appartements avec un salon, une chambre, une grande salle de bain avec jacuzzi. Faut savoir, je vous avais raconté une anecdote. Vas-y, on a la Palmyre. Palmyre. Ah oui. Les palmiers. Non, c'était comment? Le riad de ton cousin. Palmiers. Le riad de palmier, ouais. Les palmiers. Et en fait, raconte. Oh là là. Ben, on est allé au riad de palmiers. Et puis, arrivé là-bas, on a vu une piscine. Et on s'est dit, oh, mais super, ben, on n'a pas nos maillots de bain et tout. Comment faire? Ben, on s'en fiche. Ouais, on s'est baigné toutes nues. On était super bien dans la piscine. On n'avait que le riad pour nous deux. Mon petit cousin, mon David chéri, on te fait un coucou. Ben oui, moi aussi. Hein. Et finalement, on a entendu du bruit. On est sorti à toute vitesse. Et on a pris des coussins, on a mis les coussins. Ah ouais, on s'est caché avec les coussins du salon. Mais des gros coussins. Pardon, David. Et en fait, on était morts de rire. Ça fait la photo, on était éclatés. Et en fait, il y avait un des gardiens qui avait entendu du bruit et qui devait faire sa sieste quelque part parce qu'il faisait 40. Ouais, parce qu'il y a des étages et tout. Voilà, enfin, c'est immense. Super et il est venu nous rejoindre. Et quand il nous a vus, ben, on avait eu le temps d'enfiler l'une et l'autre notre robe vite fait. Enfin, ah, voilà. On était à poil, hein, franchement. Ouais. Et en plus, on a fait des pauses. On a fait des pauses. On a fait des pauses, mais personne. Les amis, il y avait que nous deux, hein. Mais on a fait des pauses, voilà. Mais ouais, alors les déesses, quoi, sur la piscine et tout. Ouais. Ah, on s'est cru des c'était stars. C'était génial, hein. Génial. Ah ouais. On s'est cru des stars. Mais je vous avais dit, c'était une anecdote que je vous racontais et qui est vraiment vraie, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Je suis partie à Marrakech avec Isabelle, elle m'a pratiquement invitée, hein. Tu m'as invitée, choupette, hein. J'ai bah, quoi avec plaisir, c'était j'ai payé normal. Quoi j'ai... Mais pourquoi? Parce qu'Isabelle, elle est comme ça, elle a un cœur en or. C'est normal. Et quand je suis pas moi, bien, normal, amis, elle me rassure. Et oui. Tu vas bien aujourd'hui. Quand je suis pas bien, pas sûr. Je peux lui faire des bisous, ça m'énerve. Bah ouais, je sais moi aussi, ouais. Parce que ça me manque. Même Yannick, je peux même pas. Hein. Ouais, ouais, non, on peut pas. Et comment dire, et franchement, c'est super quoi. On s'entend super bien, on se connaît depuis des années. Contente de se retrouver parce que là, on s'est pas vu depuis un an. Oh, mon Dieu. Un an, je partais aux États-Unis fin février, on a dû se voir fin janvier, début février. Ouais. On s'est vu qu'au téléphone. Ouais. Et je suis partie aux États-Unis. J'ai même pas été assez taxée, j'ai même pas été. Mais non, mais parce non. Que voilà, moi j'avais peur. Franchement, je me recroquevillais sur moi-même. Même une fois, j'étais très malade. Dans la tête peut-être. J'étais pas bien du tout. Tu te rappelles pas, il y avait je sais plus qui est venu. Une copine, un Marceau ou un Robin, je sais plus, une ex-copine. Tu te rappelles pas? Non. Elle est venue à la maison et je sais plus comment elle s'appelait. Aurore, non? Moi, je ne sais plus. Ah bah, elle est venue à la maison et en fait, elle m'a trouvée super parce que moi, j'étais pas bien. Et le fait d'avoir vu Isabelle... Morgane, la copine de Marceau. Morgane, voilà. C'est mieux que la copine de Marceau. Et bah, c'était Morgane. Et en fait, eh bien, je vous assure que c'est vrai. J'étais pas bien, vu dans l'état où j'étais. Non, hein. Hein. Et quand après, je suis... ça t'a redynamisé aussi. Elle me dit, en fait, c'est mieux, j'avais la pêche, mais une pêche de malade. Super quoi. Bien. On a rigolé. C'est vrai, c'est vrai.
On a rigolé, en fait, elle m'a... Non, mais c'est fluctuant, les syndromes Ménière. Donc, en fait, il y a des moments où tu n'étais pas bien, tu avais un peu de vertige et tout. Ouais. Et souvent, comme c'est neurologique, souvent, un peu de... De vitamines, médicaments, et tout va bien. On n'a plus beaucoup de batterie. Je vous fais plein de bisous. On vous dit, I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Te quiero. Ti amo. Ah, parce que c'est te quiero. Te quiero. Espagne, alors. Yo sono italiana. Tout ça, espagnol. On vous aime. Bye bye, je vous aime, je vous aime. Bye bye, bye bye. Abonne-toi et active la cloche.